précédemment dans Guerre des Sexes. C'est quoi le souci maintenant? Il n'y a aucun souci. Ma femme s'en va en voyage sans me prévenir. Elle n'appelle même pas pour savoir comment se porte sa propre famille. T'inquiète pas, tout va bien, ok? Non, non. Regarde, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais écoute ma puce, c'est ton anniversaire. Hein? Il faut t'amuser, il faut danser, il faut jouer avec tes amis. D'accord? Allez, va t'amuser, alors j'appelle maman. Happy birthday to you, Lisa. Happy birthday to you. C'est quoi encore ton problème ce soir? Tu veux savoir quel est mon problème? Mon problème, c'est que j'ai vu ma fille pleurer ce soir. C'était son anniversaire. C'était censé être une journée spéciale, une journée de joie, mais elle a pleuré. Et ce serait de ma faute? Si je comprends bien, tu n'as pas l'intention de céder. Certainement pas. Paloma, tu vas m'écouter très bien. Si tu ne changes pas d'attitude, je vais prendre des mesures qui s'imposent. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce que je te dis. Je suis ton mari et j'étais très conciliant avec toi. Ceci. Tiens, range-moi ces documents. Il faut aller chercher ma fille à l'école, tu la ramènes à la maison. Profite pour me prendre une petite valise et quelques vêtements. Je vais sur Bafoussam immédiatement. Aujourd'hui? Oui. Je parle en français, non? Il y a un souci? Non, aucun. Excusez-moi. Arrête de courir partout, Mélissa. Tu vas te faire mal. Ah, vous êtes déjà là? J'ai réussi, j'ai réussi. J'ai une bonne note. Bonjour. Bonjour, monsieur Fessy. Ah bon? Allez, fais voir ma puce. Waouh! 18 de moyenne? Mais bravo, ma fille! Tu es ma championne! Oh, merci de l'avoir ramenée. J'ai voulu passer, mais sa maîtresse m'a dit que vous étiez déjà là. Oui. Votre épouse m'a chargé de la ramener. D'accord. Je vous apporte le sac. Oui. Attends, quel sac? Madame Paloma m'a demandé de préparer un sac et de le remettre à Mademoiselle Fopa. Un instant, elle voyage? Oui. Elle doit se rendre en urgence à Bafoussam. Mais je voulais lui montrer mon bulletin. Je suis désolée pour toi, Mélissa, mais ça sera à son retour. Ta maman est très occupée, tu sais. Elle voit ça me prévenir. Elle a dû oublier. Elle a tellement de choses en tête. Oui, tout sauf sa famille. Elle a même oublié le dîner d'anniversaire de notre mariage. Je suis rentré du travail exprès uniquement pour ça. La bonne avait tout apprêté. C'est pas possible ça. C'est quelle histoire ça? Je suis désolée. Je le lui ai pourtant rappelé. Ouais. Merde. C'est pas de votre faute. Oui, merci. Oui. Nous allons passer à 34%. C'est la seule solution. C'est la seule solution et nous allons... De toutes les façons, je vais à Bafoussam, je vais causer avec le propriétaire. Oui, je vais causer avec le propriétaire sur place. Ok. Je te fais signe. C'était bien à l'école? Oui, Mélissa est 18, tu vas. Ah, super! Bon, j'y vais. Je te confie le dossier DHL, d'accord? Je vous accompagne à votre voiture. Oui, merci. Allons-y. Thank you.
Ah, mademoiselle Fauquin. Quelle surprise! Excusez-moi de venir aussi tard. Votre épouse m'a demandé de laisser ce bus ici. Ah, je vois. Ah, je vous en prie, déposez-le sur la table. Quitte à moi, rassure-toi, je suis le plus heureux des hommes. Et je me retrouve en train de boire tout seul, le soir de l'anniversaire de mon mariage. Qu'est-ce que tu crois? Regarde-moi. L'homme le plus heureux. C'est ça. Je suis désolée pour vous. Oh. Ne le sois pas. Ça fait longtemps que mon mariage est voué à l'échec. Je ne sais pas ce qui me retient de demander le divorce. Votre fille peut-être. Peut-être. Vous ne devrez pas rester prisonnier d'un mariage qui ne vous rend pas heureux. Il y a certainement une autre femme qui sera capable de vous combler. Palomé est vraiment stupide de vous laisser tout seul. Moi, je ne ferai pas ça. Tu as raison. Ah, vous êtes ravissante ce soir. Ah, dis-moi, vous allez quelque part? Je ne veux pas vous retenir. Oui, bien sûr. Je vais y aller. Je peux savoir ce qui se passe chez moi. Ah, chérie. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux savoir ce qui se passe chez moi. Et c'est qui cette fille que tu caches derrière toi? Ah, s'il te plaît, calme-toi, je vais tout t'expliquer. Que je me calme, fais-ci. Je suis partie de Bafoussam en crombe lorsque je me suis rappelée qu'aujourd'hui était l'anniversaire de notre mariage. Et tout simplement parce que mon idiote d'assistante ne me l'a pas rappelé. Et j'arrive chez moi, je te trouve avec une autre femme le soir de notre anniversaire de mariage. Fais-ci. C'est qui cette femme qui est derrière toi? Je vais te poser la question pour une dernière fois. C'est qui cette femme qui est derrière toi? Ce n'est personne, chérie. Attends, je vais tout t'expliquer, s'il te plaît. Calme-toi. Tu n'as rien à m'expliquer. Bouge de là. Non. Non, faut pas, pas toi. Madame. Pas toi, fais-ci. Tais-toi. Madame. Ferme ta bouche. Attends, chérie. Ne me touche pas. Donc, c'est toi. Fais-ci. Je vais t'apprendre à voler ma tête. Attends, chérie, mon cœur. Lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Attends, je vais t'apprendre à voler la tête. Attends, ferme-toi par là. Ne me touche pas. Je vais tout t'expliquer. Tu m'as compris avec toi. C'est pour ça que tu veux divorcer, n'est-ce pas? Non, chérie. Attends. Elle est juste venue déposer. C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois? Vas-y, explique-moi. Écoute, Paloma, tout entièrement, c'est également de ta faute. Que tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Ça fait des mois, que tu ne me satisfais pas. Tu ne remplis pas tes devoirs conjugaux. Et du coup, tu te tapes mon assistante. Attends, chérie. En fait, de toute façon, je t'explique tout. Calme-toi seulement, ok? Ferme ta bouche. Donc, c'est mon assistante que tu as décidé de taper, n'est-ce pas? Tu as décidé de coucher avec mon assistante, n'est-ce pas? Non, attends, c'est la première fois. Ok, d'accord. Tu voulais le divorce? Non. Je te l'accorde. Tu ramasses tes choses et tu fous le camp d'ici. Non, tu peux me faire et ça. Et toi, tu es viré. Attends, chérie, quoi? Non, attends. Ne me touche pas!
Tu parles de ma fille. Ne touche pas. S'il te plaît. Moi, je ne veux pas divorcer. Paloma. Paloma, il ne s'est rien passé, je t'assure. S'il te plaît. Oh, putain. Tu ne peux pas la laisser me virer, j'ai besoin de mon boulot. Tu t'as autorisé à me tutoyer. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, j'ai dit. Tu vas rester avec elle. Paloma n'a jamais été une bonne épouse pour toi, je le sais parce que j'ai été témoin de tout. Ah bon? Allez, casse-toi. Vas-y, quitte-la. Allez, dehors. Je veux discuter avec ma femme. Lâche-moi. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, ça me fait mal. Attends. Chérie, ton mari m'a appelé hier soir. Je suis venue arranger les choses. Maman, nous sommes des grandes personnes. Tu n'aurais pas dû venir. Nous-mêmes, on peut gérer nos propres problèmes. Eh bien que non, Paloma. Si ton mari a trouvé utile de m'appeler, c'est que ce n'est pas le cas. Ton mari était très triste au téléphone hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, en revenant, j'ai trouvé Fessy avec une autre femme. Ça va. Explique-moi ce qui s'est passé, Romain. C'est vraiment passé. Ce qui se passe, c'est que mon mari, c'est un égoïste et un esclavagiste, maman. Fessy n'est pas fier de ma réussite. Et tu sais ce qu'il a posé comme ultimatum? Que je choisisse entre mon travail et mon mariage. Maman, hier soir, je suis revenue pour fêter l'anniversaire de notre mariage et j'ai trouvé Fessy avec une autre femme. Maman, mon assistante. C'est bon. Mon assistante, je suis déçue, maman. Bon. Fessy, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Attends, parle-moi. Ne tire pas de conclusion à tirer. Est-ce que tu es sûre que c'est ça? Oui. Je les ai vus de mes propres yeux. Je ne suis pas aveugle. Si je n'étais pas arrivée à temps, il aurait couché avec elle. Depuis quelque temps, j'ai constaté que Fessy a changé, il est devenu bizarre. Et ça, c'est depuis que j'ai eu ma promotion. Il passe son temps à se plaindre de moi. Pourtant, lui, il ne change pas. L'autre soir, il m'a carrément craché sur le visage sa jalousie. Et hier soir, j'ai compris pourquoi il voulait que je divorce avec lui. J'ai compris ses motivations. Ok, il veut qu'on divorce, il n'y a pas de problème. Je vais partir. C'est bon, Paloma. Je vais partir, ma maman. Chérie, non, maman, je vais partir. Toi, je vais prendre mes bagages, je vais partir. Tu vas te calmer, Paloma. Tu n'iras nulle part. Tu ne quittes pas ton foyer. Je vais arranger la situation. Ça va. Ok. Laisse-moi juste prendre quelque chose avant, s'il te plaît. Mon fils,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu que ta femme quitte votre foyer? Maman, avant toute chose, je voudrais que tu saches que je regrette amèrement ce qui s'est passé hier soir. Je n'ai jamais été infidèle à ma femme. Mais comprends-moi, maman, je suis dépassé par le comportement de Paloma. On dirait que je suis marié à un fantôme. Maman, je soutiens ma femme dans tous ses projets. Alors là, je suis fatigué. J'ai dit stop, j'en ai marre. Donc ce serait de ma faute. C'est à cause de moi que tu me crompes avec ta femme. Paloma, stop. Laisse-le parler. Attends ton tour. Maman, depuis que Paloma a eu sa promotion, elle habite carrément dans son lieu de service. Elle ne gère même plus personne. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'elle m'a fait à manger. Elle ne remplit aucun devoir conjugal. Et n'en parlons pas de notre fille, qui est encadrée aujourd'hui par l'assistante de sa mère. Quoi? Paloma? Maman. Qu'est-ce que j'entends là? Dis-lui. Dis-lui où tu étais le jour d'anniversaire de notre fille. Dis-lui comment est-ce que ça se passe dans notre intimité. Ou alors laisse-moi te dire que je n'ai plus de femme. Quoi? Et depuis, crois-moi. Maman, j'ai passé toute ma vie à faire des compromis pour mon mari. Pourquoi il ne peut pas faire pareil pour moi? Quand il a ouvert son business, je l'ai soutenu. J'ai fait taire mes ambitions professionnelles pour lui faire un enfant. Et aujourd'hui, pour peu que je veuille m'exprimer, il veut que je laisse tout tomber. Non, je refuse. La femme n'est pas la subalterne de l'homme. Je refuse qu'il m'exige de rester tout le temps derrière lui. Je fais tout pour ma famille, je dis bien tout. Non, sérieux maman, c'est lui qui m'a trompée et il trouve des raisons pour se justifier. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc de quoi, Fessy? Il s'agit de quoi? Paloma, ce que je veux, c'est que ma femme soit à la maison quand je rentre chaque soir. Que ma femme soit présente dans ma vie. Que ma femme m'accorde de l'importance. Qu'elle m'accorde de l'attention. Parce que toi, tu prends soin de moi, Fessy. Dis-moi. Tu prends soin de moi. Tu sais ce qu'on dit? Crée ta femme comme une reine. Elle te traitera comme un roi. Tu passes tout ton temps à te plaindre de moi, pourtant toi, tu ne t'occupes pas de ta propre famille. Très bien. Je crois que vous avez tous les deux vidé vos verres. Et maintenant, vous allez m'écouter. Paloma, à toi. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Quoi? Tu m'as bien comprise. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Regarde-le dans les yeux et dis-moi si tu l'aimes encore. Paloma, moi je t'aime. Je suis toujours amoureux de toi. C'est pour ça que tu m'as trahi. S'il te plaît. S'il te plaît, mon cœur. S'il te plaît, mon amour. Tout ce que je désire, c'est que tu sois là chaque soir quand je rentre à la maison. Que je puisse passer toutes les soirées avec ma femme. T'inviter au restaurant. S'il te plaît. Je t'en supplie. Te souviens-tu des bons moments que nous avons passés ensemble? On faisait des petits voyages. On allait partout dans le monde. Ces moments, je veux les revivre avec toi. Toute cette petite vie-là me manque. Ce que je veux, c'est que tu nous accordes un peu de temps, notre fille et moi. Que tu nous accordes ton attention, Paloma. Tu nous manques tellement. S'il te plaît, comprends-moi. Ma chérie, ton père et moi sommes fiers de ce que tu as accompli. Tu es sans doute la meilleure femme d'affaires de ce pays. Mais à quoi te sert-il si tu perds ta famille? Une femme peut avoir tout l'argent du monde, mais si elle n'a personne pour partager avec elle, elle devient malheureuse. Pareil pour l'homme. L'homme et la femme sont complémentaires. Ils ont besoin l'un de l'autre. Réaliser des grandes choses, c'est super. Mais tu dois réserver un tout petit temps pour ta famille. J'espère que tu m'as comprise. Oui, maman.